Et bonjour à tous, vous êtes bien sur le webinaire commun pédagogique et coopération ouverte. Nous attendons un conférencier pendant encore quelques secondes et puis nous commençons. Et Michel? Bonjour à tous. Ça va commencer très bientôt. Michel, on ne te voit toujours pas. Mais on voit tout de même ton diaporama. Les petits problèmes techniques. Allô, allô Gilles, tu m'entends? C'est Ruald. Oui, Romuald. Oui, bah j'ai vu que tu étais avec ton collègue tout à l'heure, mais là ça a bloqué, c'est ça? Eh bien, oui, Michel a disparu, son diaporama est toujours là. Ouais, Il bah a moi, disparu. je te suggère quand même d'essayer de commencer si jamais. Et moi. On a prévu un certain ordre, donc je suis un peu embêté. Ouais, est-ce que tu peux lui dire désolé hein, pour l'audience, mais de me contacter, comme on a dit, sur WhatsApp, tu lui envoies un message ou tu lui envoies mon numéro, si c'est possible. Tu me le rappelles, tu Ouais, me l'envoies, je vais tu l'envoies t'essayer de par t'envoyer mail. un message. Moi, je fais par mail. Ouais, très bien. On vous demande quelques petites.
On est vraiment navré, le problème technique est pris en charge, ça va s'arranger, mais on a perdu quelques minutes, on vous a un petit peu perturbé, on est vraiment navré, mais ça devrait commencer vraiment, vraiment très rapidement maintenant. Il y a quelqu'un qui s'occupe du service après-vente, entre guillemets. Oui, c'est moi qui ai coupé mon micro, excusez-moi. C'est qu'en fait, on attend le conférencier qui a eu quelques petits problèmes techniques et c'est en train d'être résolu par le spécialiste. Donc, on va avoir le plaisir d'écouter Michel Briand dans quelques minutes. On est vraiment navré pour ce retard. Je pourrais commencer, mais le problème, c'est qu'on a prévu un scénario dans la conférence et je ne peux pas commencer. Donc, ça perturberait tout. Donc, on attend un petit peu. Ça devrait s'arranger. Normalement, maintenant, le problème, c'est que Michel est là, en fait, il est parmi nous et lorsqu'il se connecte, il ne peut pas monter sur scène. C'est un problème purement technique avec Livestorm. Et tout à l'heure, il était sur scène avec moi. Ça marche. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, mais ça devrait fonctionner très vite. Maintenant, ils sont deux à travailler dessus. Merci pour votre patience. Bonjour. Ah, voilà. Parfait. Bonjour, Michel. On n'attendait que toi. Merci. Désolé hein, pour ce retard. J'ai voulu bien faire et changer de place à mon ordinateur. Et puis, en fait, les paramètres de caméra se sont modifiés. Du coup, je n'avais plus accès au son. Et donc, il a fallu que je change deux fois d'endroit. Mais ça devrait fonctionner maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait pour moi. Donc, je ne sais pas trop ce que tu as dit, Gilles. Donc, on va intervenir à deux voix. Et comme c'est moi qui, en plus, devais commencer, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, Voilà, c'est pour ça que... C'est bon, j'ai expliqué ça, tu peux commencer. donc la première partie va vous parler un petit peu donc d'où est venu un peu le projet d'innovation pédagogique. Et ensuite, Gilles expliquera comment ça fonctionne. Moi, je reviendrai sur pourquoi, dans une période de crise, eh bien, il y a une abondance d'innovation. Et je vous parlais de riposte créative. Et Gilles vous parlera des communs. Et je parlerai de la coopération ouverte. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure une question. La coopération ouverte se différenciant de la coopération dans la mesure où elle correspond à une idée de partage sincère, c'est-à-dire que ce que l'on fait en coopérant ne se limite pas au groupe qui coopère, mais est rendu public. Par exemple, dans l'innovation pédagogique, les publications des innovations de l'IMT Atlantique sont publiées sur le web et pas en intranet. Donc, c'est la différence entre coopération ouverte et coopération au sens classique du terme, mais je vous l'expliquerai plus tard. Donc, si on avance un tout petit peu, d'où je parle, j'ai été responsable de la formation d'ingénieur à Télécom Bretagne, qui est devenue IMT Atlantique. Et donc, je suis co-animateur du site Innovation Pédagogique et du nouveau site que l'on a créé récemment, qui s'appelle Riposte Créative Pédagogique. Par ailleurs, j'ai été aussi élu au numérique sur la ville de Brest pendant 3 mandats.
Et comme ce qu'on faisait était un petit peu innovant, bah, cela m'a valu de participer au Conseil national du numérique entre 2013 et 2016, où nous avons produit une douzaine de rapports de préconisations au gouvernement sur différents sujets comme l'inclusion numérique, mais aussi l'éducation. Et aujourd'hui, je suis à la retraite professionnelle et d'élu d'ailleurs aussi, parce que je ne me suis pas représenté. Et donc, j'anime un blog sur la coopération, mais aussi Bretagne créative sur l'innovation sociale et Bretagne éducative sur l'éducation en Bretagne. Alors, innovation pédagogique, c'est d'abord une écriture ouverte en attention à, c'est-à-dire que à un moment donné, on avait beaucoup d'enseignants à Télécom Bretagne qui s'impliquaient dans des innovations pédagogiques. Et on a trouvé intéressant de mettre en valeur ce que faisaient les uns les autres. Et donc, on a commencé à publier au départ sur le blog un blog créé par l'ingénieur pédagogique qui précédait Gilles. Et dès qu'on a eu un petit peu de financement de l'Institut Mines Télécom, ben, on a passé ça sur un site contributif qui s'appelle Innovation pédagogique. Et on a comme ça donc publié plusieurs dizaines d'articles rendant compte un peu de ce qui se passait dans un établissement d'enseignement supérieur. Et on a à peu près une cinquantaine d'articles qui relatent des initiatives à Télécom Bretagne alors qu'il y a 150 enseignants. Et on a pris conscience de l'abondance hein, des innovations, des initiatives. Beaucoup d'enseignants s'impliquent et font des choses. Et donc, nous avons voulu après l'élargir et pas simplement se limiter à ce qui se faisait à Télécom Bretagne, mais permettre effectivement de mettre en valeur les innovations pédagogiques qui existaient un peu partout dans le monde francophone. On s'est limité au monde francophone et heureusement, parce que comme on est aujourd'hui à peu près à 2-3 articles par jour, si on avait élargi, on arriverait peut-être, enfin, on publierait beaucoup trop. Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans cette démarche-là, l'ingénieur pédagogique, plus tard la conseillère pédagogique qui a été recrutée également, vont à la rencontre des enseignants pour entendre un peu, prendre connaissance de ce que font en termes de pratiques pédagogiques innovantes les enseignants. Et l'ingénieur pédagogique et la conseillère pédagogique ont un rôle en fait d'aider à formaliser les choses, à relater ce qui se fait, parce qu'ils ont les mots pour autour de l'innovation pédagogique. Et ça change fondamentalement la relation entre l'ingénieur pédagogique, la conseillère pédagogique et les enseignants. On n'est pas dans une situation de sachant, de quelqu'un qui va dire comment faire, mais de quelqu'un qui est à l'écoute, en attention, comme je dis, de ce qui se fait. Et derrière, ça permet effectivement des échanges beaucoup plus en réciprocité entre ingénieurs pédagogiques et conseillers pédagogiques par la suite, dans la mesure où il y a eu cet accompagnement initial. Et tout cela est valorisé par la direction de la formation, c'est-à-dire que la direction de la formation donne mission à l'ingénieur pédagogique et à la conseillère pédagogique de faire ce travail d'attention à, de valorisation des initiatives. Si bien que ben, le site s'est comme ça donc créé localement. Donc, si vous voyez la diapo ici, on a dû démarrer en 2014 et vous voyez la progression du nombre de visites par mois qui suit une belle courbe. Aujourd'hui, on est à peu près à, on a dépassé le dernier mois, on n'était pas loin de 80 000 visiteurs par mois, ce qui fait à peu près, on a 2 500 visiteurs chaque jour qui viennent, au sens des statistiques du système que l'on a de visiteurs uniques. Et petit à petit, en fait, on a aussi été en attention à ce qui se faisait non plus dans l'établissement, mais un peu partout en France, de repérer d'autres sites qui acceptaient de partager. Et là, on retrouve la notion de coopération ouverte tout à l'heure, des sites comme le Living Lab du CNAM ou des sites l'Université de Louvain, l'Université de Fribourg, un certain nombre d'établissements, l'Université d'Angers, acceptent que les innovations qu'ils relatent soient reprises par d'autres. Donc, ça veut dire que à la fois, ils publient les innovations et ils acceptent que ce soit rediffusé. Et nous avons aujourd'hui 75 sites francophones qui sont répertoriés dans un article qui est en ligne et que je pourrais vous envoyer.
qui relatent effectivement donc ce qui se fait dans leurs établissements. Et innovationpédagogique.fr a ce rôle particulier un peu de mutualiser les initiatives innovation, à la fois sur la pédagogie, mais aussi depuis 2 ans, comme on considère que les questions un peu d'impact numérique et de transition sont importantes, on a ouvert une rubrique sur enseigner la transition, et donc on rend compte également aussi de la façon dont l'enseignement autour des transitions écologiques, climatiques sont pris en compte dans les établissements d'enseignement supérieur. Et donc on a le plaisir hein, d'avoir, je dirais, un lectorat de plus en plus grand. Et qui s'est complète aussi par un groupe Facebook. Hein, je ne suis pas très partisan des GAFA, mais ça permet quand même de toucher plus de monde. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 7 500 abonnés sur le groupe Facebook. Et on en reparlera aussi parce que la crise fait que nous avons à peu près 300 à 400 nouveaux abonnés par semaine parce qu'il y a une soif importante d'apprendre effectivement de ce que font les autres. Voilà un petit peu pour cette introduction sur ce site-là, qui donc rend compte un peu de l'innovation pédagogique dans l'établissement. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Gilles qui va vous présenter un peu comment ça marche, un site contributif ouvert. Moi, je vais vous donner l'exemple d'innovation pédagogique. Je vais vous partager un écran. Voilà, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez le site Innovation Pédagogique? Michel, Oui, tout à tu le fait. vois, on voit le déroulé quand je déroule. Oui, Voilà, très bien. donc voilà, merci. Donc voilà, le site Innovation Pédagogique, là vous êtes sur la page d'accueil du site. Première chose, il n'y a pas de publicité hein, sur Innovation Pédagogique, c'est efficace. Voilà, donc vous avez sur cette page d'accueil les articles qui arrivent régulièrement, qui sont présentés par un petit descriptif. Donc, je vais un petit peu changer. Je vais faire un peu plus petit, voilà, on va mieux voir peut-être. Donc, si on déroule la page, ben voilà, on trouve les 10 premiers articles ou les 15 premiers, je ne sais plus, c'est les 10 premiers à chaque fois que vous avez là, les 10 plus récents. Et puis vous avez ici des signés avec des rubriques, hein, si vous voulez voir plutôt les fiches pédagogiques, des réflexions sur les MOOC. Sur innovation pédagogique, on partage des retours d'expérience, des fiches pédagogiques, des idées, des réflexions, mais on ne partage pas, par exemple, son cours de maths ou son cours de sociaux. Ce n'est pas des ressources pour la pédagogie au sens pour montrer aux élèves, hein, c'est plutôt une réflexion, c'est plutôt des collaborations pour avancer dans l'innovation pédagogique. Donc on a cette page d'accueil comme ça. Bon, elle est très facile d'accès. Et puis n'importe qui peut participer. C'est ça l'intérêt d'innovation pédagogique. On peut s'inscrire à une infolettre en cliquant sur ce bouton et on peut participer ici en cliquant sur ce bouton. Par exemple, si je clique dessus. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas exactement ce qui se passe si vous le faites, parce que vous devez d'abord vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrit, donc automatiquement, il me reconnaît. Mais c'est à peu près pareil pour une personne qui une fois qu'il est inscrit, il arrive sur une page qui est comme celle-là, sauf qu'elle sera mauve au lieu d'être verte. Mais c'est le même principe, il va pouvoir directement taper l'article qu'il veut proposer, qu'il veut suggérer. Ensuite, on va essayer de le mettre en ligne. Je vais faire un test, vous allez voir. Hein. Donc, je vais marquer voilà, mon article, par exemple. Je fais ça rapidement. Voilà, on choisit dans quelle rubrique, par exemple, c'est de la coopération. Et voilà, coopérer. Parfait. Bon, il y en a d'autres. Si on écrit un article à partir des actes QPES, etc., bon, on a mis des sous-rubriques. Mais sinon, supposons qu'on choisisse coopérer. On met un descriptif rapide. Très vite parce qu'on va le voir. Le chapeau, et voilà. Et puis ici, le texte.
Vous allez voir, on enregistre. Voilà. Et il nous propose ensuite de faire une prévisualisation. C'est très simple, vous tapez votre texte, vous voyez ce que ça va donner. Voilà mon texte ici qui va apparaître comme ça. Bon. Donc vous voyez si c'est bien mis en forme. Après, bon, c'est un outil. C'est un outil qu'il faut prendre un peu en main. Hein, lorsque l'on écrit, on a un éditeur classique avec des barres pour mettre en gras, etc. Hein, je peux mettre mon texte en gras. Tout ça, c'est pas très compliqué, ça se prend en main. Et puis, voilà. Et puis surtout, le fonctionnement d'un site comme ça, c'est que c'est basé sur le partage, donc sur une licence qui est une licence ouverte, libre. Comme par exemple les licences Creative Commons, donc vous avez ici le choix de la licence que vous allez mettre avec votre article. Voilà. Donc, il faut connaître un petit peu ces licences pour savoir un peu ce qu'on fait. Hein, vous avez des réflexions qui ont eu lieu dans le cadre de cet ensemble de webinaires. Hier, on a réfléchi un petit peu sur l'impact du choix d'une licence. Donc, je vous invite à aller suivre en rediffusion les vidéos. Juste pour compléter, en fait, le site Innovation Pédagogique a une licence par défaut de partage, un Creative Commons by SA. Mais comme, en fait, on coopère avec des dizaines de sites, on est, en fait, ouvert à d'autres formes de partage et on accepte des articles qui sont à usage non commercial, qui ne peuvent pas être modifiés, etc. Donc, on a eu toute une variété de licences Creative Commons ou autres qui apparaissent. C'est pour ça que chaque article, chaque auteur peut choisir une licence. Nous encourageons la licence libre qui est la CC BY SA ou la CC BY, mais on accepte d'autres formes de partage. On n'est pas ayatollah de telle ou telle licence. Il y a donc une grande palette de variétés de licences qui sont utilisées les uns par les autres, l'essentiel étant effectivement déjà de rendre public ce que l'on fait. Oui, tout à fait. Merci, Michel. Donc, cet article-là, je l'ai tapé, mais il est toujours en train d'être tapé. Je peux ensuite le proposer à l'évaluation, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis en ligne, mais on va quand même regarder ce que vous avez écrit. On est assez ouvert, hein, Michel, puisqu'on en fait on regarde surtout qu'il y a que l'article respecte les règles de base de politesse. Ce qu'on est amené à refuser, ben, c'est des articles qui parlent de l'éducation, je dirais, non pas dans l'enseignement supérieur, mais en lycée, collège, école, ou des articles qui ont une vocation commerciale. Si quelqu'un fait de la publicité pour un produit, ben, on ne prendra pas l'article. Par contre, si quelqu'un relate la façon dont il a utilisé tel outil, c'est un retour d'expérience, eh bien, pour nous, ça a un sens. Donc, soit effectivement, la personne est un peu un agent commercial et veut vendre son produit, dans ce cas-là, ça sera refusé. Soit la personne dit, voilà, cet outil-là, il sert à faire ça, et ça produit ça, et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas. Voilà, donc on est juste les garants du maintien de la thématique du site, quoi, pour qu'il ne se disperse pas et qu'il ne soit pas pris, soit pas utilisé à des fins qu'on n'a pas prévues. Et donc, voilà, donc lorsque vous avez rédigé un article et soumis un article, nous, on va le voir. Alors, comme je vous disais, cette vue, ce n'est pas la vue du rédacteur, c'est la vue de l'administrateur. Donc, moi, comme je suis administrateur, j'ai des petites des onglets ici pour des outils de gestion. Et donc, voilà ce que voit ensuite, par exemple, Michel ou moi. Lorsque nous, on se connecte en tant qu'administrateur, on voit les articles qui sont en cours de rédaction ou qui sont proposés. Donc, par exemple, vous voyez l'article que je viens de faire à l'instant, que j'ai appelé mon article, c'est celui-là. Donc, je peux aller jeter un coup d'œil. Bon, là, il se trouve qu'il y avait d'autres que je suis en train de faire aussi. Et donc, voilà. Et donc, je vois l'article qui vient d'être déposé et soumis à la lecture. Ben, écoutez, voilà. Donc, je choisis et je décide si oui ou non j'accepte de le faire passer ensuite en ligne. Voilà. Bon, la plupart du temps, comme on disait avec Michel, si vous respectez le thème du site, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez, voilà, donc ensuite, je peux mettre publier en ligne ici. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne le site Innovation Pédagogique. Donc,
on a derrière, évidemment, tout un. C'est un back-office hein, où on gère le site, on peut voir les statistiques, on peut créer de nouvelles rubriques, etc. Donc le site est un site de partage et de coopération. Pourtant, fonctionne très bien avec les modes classiques de copyright. Par exemple, on a mis en place un partenariat avec des maisons d'édition. Donc, l'idée, c'est que les maisons d'édition peuvent nous fournir des manuels, des livres sur lesquels on peut faire des lectures un peu critiques. Eux, ça les arrange parce qu'ils ont la visibilité, et nous, ça nous arrange parce qu'on va pouvoir avoir de la ressource pour travailler et générer justement des réflexions. Donc, ça arrange Alors beaucoup. après, il y a aussi un autre partenariat qui fonctionne bien avec des colocs qui publient Oui. sous une licence qui autorise la réutilisation. Et à partir du moment où que ce soit une revue scientifique ou que ce soit un colloque autorise la republication, bah, ça nous fournit une matière importante. Et je dirais, on n'arrive pas au bout. Hein. C'est-à-dire actuellement, en essayant de suivre le flux des articles qui arrivent et que vous montrez tout à l'heure, Gilles, on a plusieurs dizaines d'articles en attente. Donc, comme c'est essentiellement nous deux qui faisons ce travail, ben on fait aussi ce qu'on peut et on essaye de suivre un peu l'actualité. Quand on a un peu plus de temps, on peut aller chercher des articles dans des revues qui nécessitent un peu d'aller recopier du texte pour le mettre en forme ou dans un colloque. Parce que les articles n'arrivent pas forcément tout faits. Donc on fonctionne avec un système de flux RSS qui nous permet d'alimenter avec des articles qui arrivent tout préparés. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et lorsqu'il faut reprendre le texte de l'article par découper, coller, réintégrer les images, là, ça demande une heure de travail et on ne les a pas toujours. Non, c'est assez long. Mais donc, on est ouvert quand même à toutes sortes de coopérations. Et certaines personnes m'envoient leurs documents en Word et puis moi, je le copie, ça va très vite. Par contre, quand on nous donne des documents en PDF, c'est parfois plus long. Voilà, donc par exemple, là, j'ai tapé sur la page d'accueil, j'ai tapé QPES, qui est un colloque, et puis vous avez ici l'ensemble des articles qui sont souvent des actes de ce colloque. Alors là, ici, il y a un petit bandeau pour reconnaître immédiatement les articles qui correspondent en fait aux actes de ce colloque. Voilà, QPES. Voilà, mais ça peut être aussi une annonce, hein, tout simplement, hein. Par exemple, ici, c'est un appel à communication. Donc c'est assez varié. En tout cas, on trouve beaucoup de choses sur le site. On est actuellement à plusieurs milliers d'articles, 2420 exactement. Donc ça commence à être important. Michel, tu as autre chose à ajouter? Non, on va peut-être passer au point suivant sur les ripostes créatives. Oui, je libère. Est-ce que toi tu peux partager ton écran ou je dois libérer Si on faut revenir au diaporama, donc je reprends le diaporama. D'accord. Partager un média. J'attends que la liste s'affiche et j'essaye de retrouver le mien. Il y en a beaucoup là maintenant. Voilà. Voilà, donc le diaporama est revenu. Donc on était sur l'innovation pédagogique, le choix de donner à voir les innovations. Il faut voir que cette culture du donner à voir n'est pas courante. Pour vous donner un exemple, le ministère de l'enseignement supérieur en France fait un appel pour un concours sur les innovations pédagogiques. Il y a 150 réponses, il y a une quinzaine qui sont sélectionnées et il y en a 130 qui restent dans les tiroirs. Donc, on trouve un peu dommage que tout ce qui est transmis dans un appel à projet ne soit pas rendu public. Et souvent, les appels à projet, c'est de la compétition où il y a peu d'élus et plein de gens qui ont des bonnes idées. Ben, ces bonnes idées, par contre, ne sont pas rendues visibles. Nous, on est dans une démarche, je dirais, beaucoup plus ouverte, encore une fois. C'est-à-dire que si quelqu'un propose quelque chose, a fait quelque chose, cela vaut le coup qu'il soit publié. Et en général, on n'a pas, Gilles n'a pas eu le temps de montrer tout à l'heure les statistiques, mais en général, il y a plusieurs centaines de visites sur chaque article. Les plus lus, on dépasse les 15 000, 20 000 visites. Donc, 60 000. quand on sait qu'un tirage moyen
En librairie, c'est 3000 exemplaires. On a plusieurs dizaines d'articles qui ont eu plus de 3000 visites. Alors, une visite, c'est pas forcément une lecture, mais non plus en librairie, quand vous achetez un livre, vous ne le lisez pas non plus toujours. Donc, c'est quelque chose quand même qui fait que quand quelqu'un écrit dans l'innovation pédagogique, on peut pratiquement lui assurer qu'il aura plusieurs centaines, voire milliers de visiteurs. Et donc maintenant, je vais vous faire un petit peu le lien avec la période de confinement que nous vivons et un petit peu ce que l'on a pu observer à travers une initiative qui est un petit peu complémentaire d'innovation pédagogique qui s'appelle Riposte créatif pédagogique. Ce que l'on a constaté dans cette période de crise, d'abord, c'est l'urgence d'inventer des réponses. Pourquoi? Parce que tout le monde se trouve confronté à la mise en œuvre d'un enseignement à distance et que on n'est pas prêt. C'est-à-dire que aussi bien du côté des cellules pédagogiques que des enseignants, le savoir-faire il existe, mais il reste limité et il n'est pas massif et partagé par l'ensemble des enseignants. Et il faut bien faire avec. Et faire cours en enseignement à distance n'est pas faire cours en présentiel. Faire une vidéo d'1 h 30 et la mettre à disposition d'un étudiant, c'est pas très efficace. Il faut donc mettre l'accent sur la scénarisation des contenus. Et donc, il y a toute une série je dirais, de méthodes pédagogiques qui sont adaptées à l'enseignement hybride ou à l'enseignement à distance. L'autre point qui nous est apparu aussi, c'est l'abondance des initiatives. Lorsqu'on a créé Riposte créative pédagogique, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement énormément de personnes qui non seulement se débrouillaient, faisaient des réponses innovantes, mais en même temps acceptaient un petit peu de les partager. Et aujourd'hui, donc, on a en fait un mode de fonctionnement qu'on appelle en archipel, en faisant référence à Édouard Glissant, qui est en fait, il y a des réseaux qui existent, coexistent les uns à côté des autres, et avec je dirais quelque chose qui nous apparaît aussi dans cette période de crise, mais qui n'est pas simplement lié à Riposte créative pédagogique, c'est justement un intérêt croissant pour la co-construction et pour le partage. Donc, Riposte créative, c'est parti d'où? Comme je travaille sur la coopération, j'ai été sollicité par un organisme de formation en France qui s'appelle le CNFPT, hein, qui forme 1 million de fonctionnaires, le Centre national de formation territoriale. Et le CNFPT est financé en fait pour un certain pourcentage de la masse salariale des collectivités locales et il a pour mission de préparer les concours et de former tous les agents des collectivités. Et la direction de l'innovation souhaitait enclencher une démarche un petit peu collaborative qui permette de rendre compte un petit peu de comment les collectivités locales s'organisaient face à la crise. Et donc, on a créé un site qui n'est plus un système à gestion de contenu comme innovation pédagogique qui fonctionne sous le logiciel SPIP, mais un wiki. Donc, un wiki, c'est comme Wikipédia. C'est un espace où là, on écrit en direct. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'article proposé qui est validé par quelques personnes. Et donc, on a franchi, je dirais, une autre étape un peu dans l'ouverture qui était de permettre l'écriture à tous. Donc, par exemple, on a développé, je le mets juste comme ça, comme exemple, Riposte Créative Bretagne sur toutes les initiatives de solidarité, de fabrication de masques, de visières, tout le travail que faisaient en réseau les Lab Fab en Bretagne. Et donc, vous voyez la carte, on a eu comme ça 450 initiatives. Ce qu'il faut voir, c'est que le site Riposte Créative Bretagne n'a pas demandé d'argent pour la réalisation. On a fait ça à 2 ou 3 personnes, quelques heures de travail, mais on a su collecter 450 initiatives. Et comme ce modèle-là fonctionnait, on a aussi créé avec Jean-Marie Gillot, qui travaille comme tous les deux à l'IMT Atlantique, un site qui s'appelle Riposte Créative Pédagogique et qui permet effectivement ce partage. Donc là, on est dans un monde, hein, comme je disais, d'archipel d'initiatives, où il y a un foisonnement d'initiatives. J'en ai mis quelques-unes là actuellement. C'est la caractéristique d'une question de crise, c'est-à-dire que dans une période de crise,
Le vieux monde ne peut pas continuer comme avant. Il faut trouver des nouveaux modes d'organisation. Et ces innovations pédagogiques, sociales, de transition, elles naissent effectivement de réseaux d'acteurs. Tu peux avoir, par exemple, les réseaux autour de l'économie circulaire, autour des territoires en transition, des territoires apprenants, comme l'appelle François Daly, des écoles coopératives, des tiers-lieux, des Fab Labs, de la facilitation. Et aussi ce qu'on appelle les remix, hein, c'est-à-dire comment on va remixer le fonctionnement d'une bibliothèque, d'un collège ou muséomix, d'un musée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le contexte de crise tel qu'on le vit actuellement sur le Covid. On voit que ces choses se développent et on peut penser que dans des contextes d'autres crises à venir, comme la crise climatique ou autre, on aura également effectivement ce foisonnement d'initiatives, c'est-à-dire que c'est pas tellement d'en haut que se font les transformations, mais les transformations sont portées par des acteurs qui se mettent en réseau et qui se mettent à coopérer. Et donc, le groupe que nous avons créé dernièrement sur Riposte Créative Pédagogique, c'est un groupe sur l'hybridation en coopération ouverte. Encore une fois, le mot coopération ouverte. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comment nous faisons pour enseigner dans le contexte actuel et en acceptant de partager nos savoir-faire, c'est-à-dire de partager nos guides, de partager nos retours d'expérience, etc. Et là, donc, on vient d'initier une série de webinaires qui sont faits soit directement par les acteurs de Riposte Créative, soit dans une mise en réseau, par exemple, de séminaires qui sont organisés par l'IMT Atlantique. Je vous donne les titres un petit peu des webinaires. Former à la coopération, par exemple, avec Laurent Marceau. Le dernier tourné autour de la motivation et de l'engagement des étudiants avec Denis Bédard de l'Université de Sherbrooke. Le prochain sera sur la comodalité avec Didier Paquelin de l'Université de Laval au Québec. Puis l'évaluation d'un dispositif hybride avec Emmanuel Sylvestre de l'Université de Lausanne, etc., etc. Et donc, dans notre logique un peu de coopération et de partage, les webinaires sont mis en ligne et donc avec une page web qui associe des ressources de façon à ce que les gens qui n'ont pas pu être là pendant le webinaire, on a quand même eu 70 personnes avec sur le webinaire de Denis Bédard, eh bien retrouvent effectivement les contenus avec toute une série de liens, de ressources et le pad de la prise de notes pour que les gens puissent vous retrouver les échanges qui ont été faits. Et je pense que Open Education Global fera la même chose de ce webinaire. Et tout ça pour indiquer qu'on est vraiment dans cette logique de partage. Hier, j'intervenais sur une rencontre de trois organismes de formation à Rennes dans le domaine sanitaire et social. Et il y avait aussi 70 personnes. La publication de ce webinaire sera également mise en ligne. Et les gens qui auront relaté des expériences de leur établissement les partageront également. Donc on voit effectivement apparaître dans cette période de crise une abondance d'initiatives et une envie d'un nombre de plus en plus grand de personnes de coopération ouverte, c'est ce qu'on appelle aussi de partage sincère. C'est-à-dire que si ce que je fais est intéressant, il peut être aussi être intéressant pour vous. Et je laisse la parole à Gilles pour la suite. Si Gilles veut bien remettre son micro. Merci Michel, j'avais coupé mon micro. Merci Michel. Oui, alors, je me suis aperçu que je ne me suis pas présenté, mais je vais me présenter dans le diaporama que je vais vous montrer. Voilà. C'est bon, Gilles, tu peux y aller. Voilà. Merci. Oui, donc je vais me présenter d'abord. Donc, oui, alors je m'appelle Gilles Jacovetti, hein, je suis ingénieur pédagogique à l'IMT Atlantique. C'est assez récent, ça fait que 5 ans, un peu plus de 5 ans que je suis ingénieur pédagogique. Auparavant, j'étais enseignant. De formation, je suis ingénieur. J'ai fait un petit détour par la géophysique et la recherche. Puis après, je suis devenu enseignant dans
en sciences, en mathématiques, informatique principalement, et traitement de signal, donc des matières très scientifiques. Et puis je suis arrivé j'ai enseigné avec beaucoup de publics variés, aussi bien des élèves de 6e que des adultes, qu'à l'université, en classe prépa. Donc ça m'a donné pas mal de recul sur la pédagogie. J'ai forgé mon opinion sur ces choses-là. Quand j'ai été recruté à l'IMT Atlantique, à l'époque ça s'appelait Télécom Bretagne, c'est la même école. Et donc c'était il y a 5 ans, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un outil qui s'appelle innovationpédagogique.fr, que je découvrais en fait à l'époque. Et donc je me suis intéressé comme ça à tout ce qui est ouvert et technologie ouverte et tout ce qui est commun. Donc voilà, donc maintenant je suis, on peut dire, un utilisateur régulier, un créateur de communs pédagogiques à travers mon travail. Mon travail sur le site Innovation Pédagogique ne correspond pas à tout ce que je fais. C'est à peu près 10% de mon temps de travail. Mais dans ce temps-là, voilà, je suis utilisateur et créateur des communs pédagogiques. Et par ce biais-là, je suis contributeur ouverte et j'en suis fier. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu la démarche qui amène en fait à construire un outil qui permet aussi de construire un outil comme innovation pédagogique, comme le site. Les communs, c'est une longue histoire en fait qui commence finalement avec tout ce qui nous entoure, avec ce que la nature nous a donné, donc les forêts, les océans, les prairies, les lacs. Tout ça, c'était des cadeaux de la nature que l'on a exploités en commun, ensemble. Et puis, derrière tout ça, en exploitant ses ressources, l'homme a mis des règles, l'homme s'est organisé, et à partir du début, il a bien fallu gérer des conflits, gérer des partages. Donc, à partir de ce besoin-là, l'homme a développé différentes conventions pour partager. Donc, on a vu des droits tribaux, la notion d'héritage, les coutumes que l'on voit en Afrique ou en Mélanésie, jusqu'à la loi romaine, et j'en passe et des meilleurs, jusqu'au droit contemporain dans lequel on vit. Et toute cette évolution n'avait pour but que de gérer au mieux nos ressources. Ça a été étudié, c'est devenu un objet économique, ça a été étudié, en particulier, il y a eu un texte important. Je ne suis pas juriste, hein, je ne suis pas juriste, je ne suis pas économiste non plus, mais donc c'est important de savoir quelques dates importantes et petites choses importantes. Un des textes fondateurs pour les communs, ça a été Samuelson en 1954, qui, dans son étude sur les biens, sur nos biens, va classifier suivant deux paramètres, l'exclusion et la rivalité, la non-exclusion et la rivalité. Donc, la rivalité, c'est si moi j'utilise une ressource, un autre ne peut pas l'utiliser. Et la non-exclusion, c'est que tout le monde a accès. Donc, suivant ces critères-là, on arrive déjà à faire apparaître la notion de bien commun, hein, que vous voyez ici, c'est en haut à droite, la case en haut à droite. Les biens communs, c'est ce que je disais tout à l'heure, les forêts, les lacs, parce qu'ils sont non exclusifs, tout le monde peut y avoir accès, mais ils sont rivaux, parce que si vous utilisez la ressource, par exemple, si vous êtes en forêt et vous trouvez un champignon, il est pour vous et il n'est pas pour l'autre. On ne pourra pas en avoir deux.
Mais par contre, tout le monde peut avoir accès et tout le monde peut avoir sa chance pour récupérer quelque chose dans une ressource. Donc à partir de ces textes-là, d'autres personnes ont affiné l'étude. Et une personne très importante qui a d'ailleurs eu un prix Nobel, c'est Elinor Ostrom, qui a compris que c'est commun pour pouvoir être exploité au mieux, devait être géré par une gouvernance collective. Le mot collectif est important. Et ça nous donne la clé, en fait, la clé qui va nous servir ensuite à gérer tout ce qui est commun, mais qui n'est pas forcément commun de la nature, mais aussi les communs à partir de tout ce que l'homme a créé. On peut gérer, grâce à cette gouvernance collective, recréer une ressource naturelle, je dirais, qui est en fait une ressource qui est la somme des ressources que l'homme, des œuvres que l'homme crée. Et en pédagogie, par exemple, ça va nous servir à créer ensuite un écosystème dans lequel on va partager nos œuvres, nos productions. Donc à partir du travail d'Elinor Ostrom, on va définir un commun comme étant trois choses: une ressource partagée, un collectif qui utilise cette ressource, hein, qui a des droits dessus, et le point le plus important, je dirais, ce mode de gouvernance co-construit avec les personnes qui utilisent la ressource. Ce sont donc des règles qu'il va falloir créer pour faire fonctionner finalement le commun. Et des exemples de telles règles, ben c'est tout simplement finalement les licences Creative Commons. Les licences Creative Commons, elles sont en fait des règles pour qu'on puisse utiliser en commun quelque chose. Vous connaissez peut-être ces licences, je vous invite à voir les autres webinaires qui en parlent. Principalement, ces licences qui vont aider. Alors, j'ai pris ça sur le site Creative Commons. Six licences qui vont aider à partager et faciliter l'utilisation, favoriser la reproduction et la diffusion, accorder plus de droits. Donc, vous pouvez lire, hein. Et lorsqu'on lit toutes ces... Pardon. Et lorsqu'on lit l'intérêt de ces licences et ce qu'elles apportent, on ne peut pas s'empêcher de voir un peu en filigrane derrière ces ressources naturelles que la nature nous a données et comment on peut les utiliser intelligemment. C'est comme si on avait ici une couche de peinture avec dessous une synopia, une ébauche de peinture qui correspondrait un peu à partager les ressources naturelles, gérer les ressources naturelles renouvelables, cultiver, faire du local, parce que il y a des liens, il y a un écho qui se fait entre ces apports des Creative Commons et ce que l'on fait lorsque l'on travaille les ressources de manière intelligente et raisonnée. Donc ces licences Creative Commons, les voici. En général, on parle des six dernières. La première, la licence zéro public domaine, elle est un peu à part. On libère tous ses droits, on fait cession de tous ses droits sur quelque chose que l'on a créé. Et typiquement, les licences CC qu'on utilise sur le site Innovation Pédagogique, par exemple, ce sont les suivantes: BY, BY-SA, BY-ND, BY-NC, BY-NCSA et BY-NCND. Alors, ça signifie BY, c'est il faut nommer la personne qui a créé l'œuvre. By SA, SA, ça signifie share alike, il faut partager avec les mêmes restrictions, la même licence. Et à chaque fois, quand vous avez ND, c'est non dérivatif, donc ça, il ne faut pas modifier l'œuvre. NC, il ne faut pas faire commerce avec l'œuvre. Et ensuite, vous avez les deux suivantes qui mêlent les précédentes.
Et grosso modo, vous avez de la première, tout en haut à la dernière, vous avez en quelque sorte des contraintes de plus en plus importantes. Voilà. Donc l'idée derrière ça, c'est se doter donc de règles de règles de gestion pour, comme je disais, pour recréer cet écosystème similaire aux ressources naturelles. Bon, pour ça, il nous faut. Voilà, bon, j'ai oublié de dire que ces œuvres, c'est pas forcément si on regarde la pédagogie, c'est pas forcément des documents de cours, mais ça peut être des réflexions, des scénarisations ou des retours d'expérience, des outils d'analyse, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment la démarche que l'on a suivie dans Innovation Pédagogie, puisqu'on ne partage pas les documents de cours. Hein. Ce n'est pas le but du site Innovation Pédagogique. Donc, faire ça, vouloir faire ça, c'est bien, mais il faut toujours, pour agir, un outil dans lequel ce commun va exister et va vivre, un outil, un lieu où cette coopération peut se faire. Et ben, par exemple, l'innovation pédagogique en est un. Hein, l'innovation pédagogique n'est pas un commun. Hein. L'innovation pédagogique est un outil au service d'un commun qui se crée, qui est l'ensemble des créations pédagogiques et des réflexions sur la pédagogie, des innovations pédagogiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais prendre la suite et puis on passera au temps des questions un petit peu sur... donc la notion un petit peu de coopération ouverte et le changement de posture qu'applique la coopération ouverte. J'essaie donc de retrouver mon transparent. Je crois qu'il s'affiche. Je vais l'afficher, oui. C'est présentation, Michel, voilà, c'est bon. Voilà. Je crois qu'il est affiché déjà. Voilà, donc voilà. Donc, sur la coopération ouverte, hein, donc... Le numérique nous a confrontés pour la première fois de notre histoire en tant que société à l'abondance. Quand vous mettez en ligne un morceau de musique, quand vous le transmettez à quelqu'un, vous gardez ce morceau pour vous. Quand vous mettez en ligne un texte, vous le gardez pour vous et vous donnez accès à d'autres. Et donc, il y a une abondance des œuvres qui permet un partage à moindre coût. Et donc quelque part le numérique a donc revivifié l'idée de commun que vous a présenté Gilles tout à l'heure, dans la mesure où effectivement les communs numériques c'est relativement naturel, c'est-à-dire que on peut facilement partager. Et donc les projets comme Wikipédia ou les cartes ouvertes ont montré effectivement que c'était réaliste de permettre une écriture à tout le monde et de partager ses contenus. Et aujourd'hui, l'encyclopédie Encarta de Microsoft, tout le monde l'a oublié, alors que Wikipédia continue à exister. Et depuis 10 ans en Bretagne, toutes les cartes utilisées par les collectivités locales, les services de l'État en région, sont les cartes d'OpenStreetMap qui sont plus efficaces que les cartes d'IGN. Et si vous allez sur le portail Géo-Bretagne, vous verrez que la carte par défaut, c'est la carte collaborative qui est un commun donc d'OpenStreetMap. Et que si vous voulez utiliser la carte officielle du service public de l'IGN, eh bien, c'est un second choix pour dire que les communs, c'est aussi une efficience. Et donc, si je reviens à cette notion de coopération ouverte, elle est apparue en fait associée au logiciel libre et au travail conçu de manière à être accessible et réutilisable. Hein. Le logiciel libre, c'est d'abord quelque chose que vous pouvez librement utiliser, mais vous aussi modifier et enrichir. Ensuite, sont apparues des plateformes ouvertes qui favorisent la coopération, la créativité et l'innovation. Et donc là-dessus, si on regarde la littérature, une des premières personnes à avoir écrit sur ces questions de plateforme, c'est Laurence Lessig, qui est aussi l'auteur des licences Creative Commons. Et on trouve cette notion de plateforme ouverte dans le futur des idées de 2001. Et en France, il faut attendre 2006 hein, pour que ces questions un peu d'innovation horizontale, d'innovation ascendante,
soit abordé par Dominique Cardon. Et donc, derrière, l'idée un petit peu, c'est aussi cette idée de pair à pair, de production entre pairs, telle que peut le développer aussi Michel Bowens, et qui a été développée également par Ben Clair. Et donc, cette abondance qu'on retrouve liée au numérique, on la retrouve, comme je disais tout à l'heure aussi, dans le temps de crise. Et c'est pour ça qu'il me semble important d'en parler. Et on constate effectivement que, je dirais, les initiatives de connaissance, de partage en coopération ouverte sont plus nombreuses aujourd'hui, cette année, qu'elles ne l'étaient auparavant. Et un autre concept qu'on a introduit avec quelques collègues qui travaillent aussi sur les communs, c'est l'idée de compostabilité. Nous avons appris que notre monde est fini et qu'on a besoin effectivement de pouvoir réutiliser des objets. Qu'en est-il des idées? Est-ce que les idées que vous développez dans un projet, votre retour d'expérience, est-ce qu'il va être mis dans un tiroir ou est-ce qu'il va être partagé? Est-ce que les idées que vous développez, vous avez à cœur qu'elles soient réutilisables par d'autres? Vous allez mourir, je vais mourir, nous allons tous mourir. Que va-t-il rester de nos productions? Si nous faisons en sorte que nos idées servent à d'autres, que des bouts de projets soient réutilisables, on est dans cette logique de compostabilité. Et les communs sont quelque chose qui prend en charge un peu cette idée de compostabilité, de permettre effectivement que ce qui a été fait par quelqu'un soit réutilisé par d'autres. Et en fait, la coopération ouverte telle que j'ai pu la pratiquer personnellement, aussi bien à Télécom Bretagne que sur la ville de Brest dans mon mandat d'élu, c'est cette spirale un petit peu dont je vais vous parler en 3-4 minutes. Le premier point qui est important, c'est le faire avec. Dans une logique de coopération ouverte, il faut que les personnes avec qui on travaille s'approprient les choses et ça prend du temps long. L'exemple que je vous donne à chaque fois, c'est sur Brest, quand j'ai été élu, dans le milieu des années 90, Internet n'existait presque pas encore et on a voulu faciliter l'accès à Internet sur la ville avec ce qu'on a appelé des PAPI, des points d'accès public à Internet. Et plutôt que de décider d'en haut d'en mettre, on a proposé aux équipements de quartier, des centres sociaux, maisons pour tous, bibliothèques de quartier, de devenir un point d'accès public à Internet. Alors, au début, c'était pas évident parce que c'est pas forcément dans la culture d'une bibliothèque de faire de l'accès à Internet ni d'un centre social. Mais petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et en 10 ans, il n'y avait plus aucun équipement de quartier à Brest qui n'était pas PAPI. Et donc, on est avec aujourd'hui donc une centaine de lieux d'accès public sur une ville de 140 000 habitants. Ce qui fait que, en gros, les habitants ont à moins de 400 mètres de chez eux un lieu où ils peuvent accéder à Internet, mais aussi être accompagnés sur l'accès aux droits, sur l'accès aux services. Et ce qui est remarquable aussi, il y a deux points qui sont importants dans le faire avec, c'est que ça entraîne de la frugalité, c'est-à-dire que ça coûte pas cher, les gens font effectivement de l'accès public dans le fonctionnement de leur centre social, comme il y a une activité musique, cuisine ou autre chose. Et donc, ça ne demande pas de créer beaucoup d'emplois, de mettre des moyens importants dans la collectivité. Les villes sont pas forcément très riches aujourd'hui. Et c'est robuste, c'est-à-dire que les premiers papiers ont été créés maintenant il y a à peu près 20 ans et aujourd'hui continuent à exister. Aujourd'hui, il y a encore 100 points d'accès public. Donc, la démarche du faire avec, où je dirais, on permet aux gens de s'approprier quelque chose, prend du temps, 10 ans. Pour développer ça sur la ville, mais c'est frugal et c'est robuste. Le deuxième élément qui est vraiment aussi au cœur d'innovation pédagogique ou de riposte créative, c'est être en attention, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe sur le territoire et de soutenir ce qui se passe dans le territoire. Par exemple, sur Brest, au lieu de faire un appel à projet compétitif, on a fait un appel à projet où tous les projets sont retenus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de compétition. Les gens savent qu'ils seront retenus tous. Et ça, c'est pas le problème de budget qui bloque. Hein. C'est-à-dire le budget n'a pas augmenté, mais c'est simplement l'envie de faire. S'engager dans un projet, ben, c'est aussi s'engager à faire quelque chose. Et chaque année, il y a environ 40 à 50 projets qui se présentent et qui sont soutenus.
Et donc, être à l'intention, c'est donner effectivement un regard sur ce que font les autres dans son établissement, ce que font les autres à côté, et essayer justement de valoriser ce qui se fait, comme dans l'innovation pédagogique, nous essayons de valoriser les innovations pédagogiques des gens qui veulent bien effectivement raconter ce qu'ils font et donner à voir ce qu'ils font. Donner à voir, c'est effectivement le troisième élément un petit peu de la coopération ouverte. Malheureusement, moi comme d'autres, à l'école, j'ai plutôt appris à cacher ma copie, plutôt la compétition, que de raconter effectivement ce que l'on fait. Et c'est extrêmement difficile de dire aux gens, ben, vous avez fait quelque chose de bien, racontez-le. Se donner à voir n'est pas spontané. Et dans l'innovation pédagogique, quand dans la première partie, quand tu étais responsable de formation, vu que c'était dans la mission de l'ingénieur pédagogique et de la conseillère pédagogique, il pouvait passer du temps pour aller solliciter les enseignants. Et donc, résultat, on avait plus d'une cinquantaine de publications. Depuis, l'innovation pédagogique continue. Aujourd'hui, de Télécom Bretagne, essentiellement, nous avons 200 publications, mais qui sont essentiellement celles de Jean-Marie Gillot, moi-même et Gilles. Et comme je dirais aujourd'hui, il n'y a plus cet élan pour aller voir ce que font les autres. Il n'y a plus depuis 2 ans quasiment d'écriture venant d'autres personnes de l'établissement et c'est un petit peu dommage. Et donc cette articulation entre le faire avec, être à l'intention, donner à voir est quelque chose qui permet d'outiller de la coopération et de créer des communs comme on l'a développé. Et aussi un dernier élément, et je conclurai là-dessus. Lorsque vous êtes dans un mode collaboratif, de coopération, les deux mots hein, sont polysémiques et on ne va pas forcément faire un débat sur le sens précis de l'un et de l'autre, eh bien le fait de ne plus être en compétition, peut-être plutôt en bienveillance par rapport aux actions des autres, fait que, en confiance aussi avec les autres, fait qu'il y a beaucoup moins de conflits et coopérer est un vrai plaisir. Voilà un petit peu pour terminer mon introduction, je ne sais pas si Gilles veut rajouter, puis après on pourra passer aux questions aussi. Désolé, mon micro était coupé. Oui, merci Michel. Merci pour pour tes explications. Oui, je veux bien rebondir un petit peu sur ce que tu as dit au niveau de la compostabilité, parce que je suis très sensible à la compostabilité. Concrètement, la compostabilité, c'est aussi lorsque, comme dit Michel, vos idées dans le cadre d'un projet ont donné naissance à un projet. C'est pas parce que le projet est terminé que vos idées n'existent plus. Les idées, c'est des idées. Mais il faut se donner le temps et l'énergie pour garder des traces. Donc, il faut rédiger quelque chose. Enfin, c'est les traces qui sont présentes dans votre projet. Et il faut penser, en fait, dès le début du projet, à ce que vos traces soient réutilisables par les autres. Par exemple, faut pas mettre des images qui vont être, qui vont être pirater. Et pour vous donner un exemple tout simplement, la présentation que j'ai faite tout à l'heure est 100%, si vous regardez chaque slide, j'ai fait en sorte de trouver à chaque fois des images qui étaient totalement libres de droit. Et chacune des slides est en Creative Commons 0. Donc, on peut reprendre intégralement le document que je lâcherai dans la nature. Je déposerai ça sur des sites. Et voilà un exemple Alors, de compostabilité. On peut reprendre n'importe quelle page, c'est déjà ça. est-ce que quelqu'un a une question sur la première qui est un peu difficile? Alors, comment on fait pour faire les questions là-dessus? Il faut que les gens se signalent et qu'on leur ouvre la parole, Gilles? Non, vous avez normalement un outil qui permet de poser des questions. Je vois que Pat MD a déjà déposé une question. Nous, on peut les voir. Ben, Michel, tu l'as tu vu? donnes la Il y a une parole question à pour celui qui a toi. posé la question, alors, si tu veux. Tu arrives à voir sa question? Oui, un appel. Alors, sur l'appel à projet, où tous les projets sont retenus, donc je vais vous mettre le lien parce que j'ai décrit ça effectivement dans un article que j'ai mis sur mon blog Coopération. Ça fait 17 ans hein, que ça fonctionne. Donc chaque année, tous les projets sont retenus, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que ce sont des sommes pas très importantes, hein. Donc c'est plutôt 2 000 euros, mais globalement,
Tu multiplies 2000 euros par 40, on arrive quand même à des budgets de 70 à 80 000 euros, ce qui pour une délégation thématique dans une ville n'est pas non plus négligeable. Donc tous les gens répondent à l'appel à projet, donc il y a un cadre général qui est en gros, pour faire simple, l'appropriation du multimédia dans la ville, hein, tout ce qui est écrit public, tout ce qui est site web, tout ce qui est coopération, et tous les projets qui sont présentés. Et qui rentrent dans son cadre-là, ils sont instruits pour vérifier que ça rentre bien dans le cadre, et ils sont validés. Et on fait une première réunion où tous les porteurs de projets sont invités. Chacun présente son projet pendant 1 ou 2 minutes, et en l'espace d'une heure ou deux, eh bien, les gens se rencontrent, et toutes les personnes qui ont des projets similaires, par exemple, des projets de web radio, du fait qu'ils se rencontrent, ensuite ils coopèrent. Et je dirais l'inverse de ça, parce qu'il y avait sur la ville de Brest aussi un appel à projet des lycées et collèges. J'ai demandé à ce que les projets soient rendus publics et on m'a répondu, mais non, si je publie mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil. Donc la logique aujourd'hui, c'est une logique de compétition, c'est les logiques des appels à projets ministériels, mais aussi associatifs comme la Fondation de France, la VISE, etc. Et qui n'est pas une logique de coopération. Alors, il y a un tout petit espoir qui apparaît. Il y a aujourd'hui, dans la fabrique des mobilités, l'idée de faire un appel à commun, c'est-à-dire que, y ait un appel à des propositions d'action et les gens ensuite se regroupent sur des défis. C'est-à-dire si plusieurs personnes ont un même projet, ça pourrait être dans le domaine de la pédagogie, par exemple, autour, je sais pas, du suivi des stagiaires à distance ou autre chose, ou de l'évaluation. Eh bien, donc, le financement n'ira pas à une université ou à un groupe de personnes. Le financement ira à relever un défi. Et s'il y a plusieurs acteurs qui s'inscrivent dans le relevé à défi, pour relever le défi, il y aura ensuite un partage du financement entre ces acteurs-là. Donc là, c'est cet appel à commun qui est en cours de préparation va être porté par l'ADEME et je pourrais mettre le lien aussi sur la préparation. Et moi, j'ai espoir que justement, dans des démarches comme ça, qui sont des démarches un peu d'ouverture, on passe d'un système de compétition à un système de coopération dans la mesure où la coopération est beaucoup plus efficiente et créer une ambiance différente dans la mesure où les gens ensuite apprennent à se connaître et à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Michel. Non, je ne vois pas d'autres. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, je vais rajouter quelque chose. La notion de partage sincère, même si je suis, j'aime beaucoup tout ce qui est partage, le mot sincère me gêne un peu parce que je trouve qu'il est trop, il juge trop. Parce que sincère, pas sincère, sincère, ça vient du cœur. Je pense que le mot sincère ne va pas. Il me plaît pas du tout. Oui, mais Mais c'est volontaire, Gilles. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent, bah moi je partage, c'est en ligne. Mais simplement, il n'y a pas grand-chose qui est en ligne et les gens disent simplement, je sais faire ça. Et si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à m'inviter. Donc c'est un peu par rapport à ça qu'on essaye nous de, je dirais, de. Par exemple, le ministère quand il fait son appel à projet et qu'il décide que 130 projets vont rester dans les tiroirs et qu'il refuse que l'innovation pédagogique les publie, il n'y a pas de partage. Si tu veux, il partage, je dirais, l'appel à projet, les meilleurs projets éventuellement, mais c'est aussi une manière de poser la question, est-ce que vous acceptez que ce que vous avez trouvé, ce que vous avez construit, soit réutilisé par d'autres? Et c'est loin d'être la culture générale, c'est-à-dire que la plupart des universités ou écoles d'ingénieurs ont plein de ressources. Mais mises derrière un intranet et ne peuvent y accéder que les gens de l'établissement. Et encore. Ah, peut-être une question. Ah oui.
C'est peut-être pour toi encore, Michel. Ouais. Alors, sur l'appel à projet, bah, visiblement, c'est quelque chose qui intéresse. Sur ce point-là, donc, on a fait une évaluation avec le laboratoire des usages marsouins et donc, on a vu que 90% des projets aboutissaient, c'est-à-dire les gens faisaient ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Donc, quelque part, pour nous, c'est bien parce que ça veut dire que 10% d'échecs, c'est quand même très peu. Et la règle qu'on a aussi, c'est que si quelqu'un dépose un projet une année, par exemple de la médiation sur des jeunes en dispositif relais, en échec scolaire ou en direction de personnes très âgées qui n'ont pas accès à Internet, pour que l'association, la structure puisse présenter un projet l'année suivante, il faut qu'elle ait écrit quelque chose sur ce qu'elle a fait l'année précédente. Donc en fait, on n'est pas dans une mode d'évaluation, je dirais, formelle. Mais les gens doivent rendre compte de ce qu'ils font. Et en général, ça se sait un petit peu, ou on va voir sur place aussi. On est plutôt je dirais, une évaluation au sens d'encourager les gens, mettre en réseau, que de noter. Et d'ailleurs, je dirais, dans une collectivité comme la ville de Brest, il y a 7 niveaux de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens dont le métier, c'est être contrôleur. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre de l'énergie à faire, à soutenir ce qu'ils font, qu'à contrôler. Mais c'est un point de vue. Je suis d'accord avec toi. Ah, il faudrait peut-être que Gilles nous précise un peu la question. J'ai un tout petit bout de réponse hein, pour Gilles. Un écosystème qui aujourd'hui est intéressant, c'est celui des chatons, hein, le collectif des hébergeurs anonymes, qui fait en sorte que des services logiciels soient disponibles en alternative aux GAFAM. Donc, vous connaissez peut-être hein, ce que fait Framasoft avec les Framapad et puis toute une série d'outils qui sont mis à disposition. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en 2016, ils ont décidé de ne pas grossir, de pas devenir une alternative, mais de favoriser un archipel. C'est-à-dire l'idée, c'est de créer des chatons un peu partout en France. Il y en a par exemple à Brest, l'association Infony, qui fournit ses services principalement aux acteurs brestois, et de faire en sorte que pour tous les outils alternatifs aux GAFAM, on réintroduise un système distribué en proximité et que les gens trouvent effectivement ces ressources un peu localement. Donc là, j'ai un petit exemple hein, d'écosystème un petit peu plus complexe qui se distribue un peu partout en France. Il y a d'autres choses qui se mettent en place sur les réseaux alternatifs avec la cartographie Transiscope également. Mais cette logique que je développais tout à l'heure, ou que j'ébauchais plutôt sur l'appel à commun, est toute récente et donc je n'ai pas forcément encore beaucoup de réponses parce que c'est quelque chose qui démarre tout juste. Mais si Gilles Boudet veut bien préciser sa question, je n'ai pas forcément répondu exactement à ce qu'il demandait. Alors, sur le chat, hein, on voit apparaître quelques références hein, sur effectivement l'entraide, autre loi de la jungle, ou sur la compostabilité. L'article a été écrit par Laurent Marceau et Romain Lalande sur le site de VECAM. Donc, ça fait 2 ou 3 années. Et on a aussi écrit ensemble un article qui s'appelle Coopération ouverte pour un monde vivable et désirable lors des rencontres de tournée en 2019. Mais je pourrais mettre les liens vers ces articles-là.
Oui, peut-être que la question de Gilles Boudet était aussi sur des publications plus approfondies par la recherche. Peut-être qu'il voulait dire est-ce qu'il y a eu de la recherche des études faites sur la coopération verte? Tu dois être au courant, non, Michel? Enfin, sur la coopération, il y a Elžbieta Sadonská qui a fait une thèse un petit peu sur quelles compétences pour coopérer. Donc, la texte, si vous tapez Sadonská, innovation pédagogique, coopérer, vous trouverez ces articles. Et donc, elle a donc identifié comme ça 11 compétences clés pour coopérer, dont 3 compétences pivots, c'est-à-dire des compétences. Si on ne les a pas, c'est difficile de coopérer. Et donc, parmi ces compétences, il y en a une qui est un peu bizarre, qui est avoir envie de coopérer. Et on a pu l'expérimenter parce que sur Brest, on a mis en place des formations à la coopération d'une centaine d'heures qui s'appelle Animacoop. Tous les contenus sont en ligne et réutilisables. C'est Laurent Marceau qui a initialisé ces formations. Et on s'est rendu compte que dans ces formations, lorsqu'on amenait en formation des personnes qui n'avaient pas envie de coopérer, eh bien, rien ne se passait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on leur apprenait à utiliser des outils collaboratifs, qu'on leur expliquait un peu comment ça marche, qu'elles avaient plus envie de coopérer. Donc, je dirais le parti pris de la coopération, que moi j'appelle un changement de posture, c'est quelque chose qui est un préalable. Si vous n'avez pas envie de coopérer, c'est pas, il faut attendre, hein, et n'amener en formation que des gens qui ont envie de coopérer. Et donc à Télécom Bretagne, ben Gilles et d'autres personnes ont suivi ces formations. Ils pourraient peut-être en dire deux mots aussi. Parce qu'effectivement, quand tu as envie de coopérer, tu as besoin d'être outillé. Parce que, à part effectivement des personnes comme c'était dit dans le chat, qui ont suivi des écoles freinées ou des contextes un petit peu d'écoles dans lesquelles la coopération est vécue, malheureusement, dans la majorité du système scolaire français, on est plutôt dans un domaine dans une pratique de compétition que de coopération. Donc, comme Pat me demande l'article, je vais le remettre parce effectivement, c'est pas un article que j'ai écrit sur appel à projet immédiat. Il doit avoir 1 an et donc, dans le blog, il est un peu plus loin. Donc, je vais revenir en arrière dans les articles et je vous mets le lien immédiatement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, Gilles? Est-ce que tu veux réagir sur la formation à la coopération? La formation Animacop, qui est toujours dispensée, hein, qui se développe. Alors moi, ça date de 2016 quand je l'ai suivi, je pense. Ça commence à faire vieux. Mais je garde toujours un souvenir assez clair, assez limpide de tout ce qu'on avait fait. Et on avait vu l'intérêt, en fait, de l'utilisation. Déjà, on avait vu des outils, tout simplement, au départ. Pour beaucoup de personnes dans la formation, ces outils étaient une découverte. Bon, ce n'était pas mon cas, je faisais partie déjà un peu du métier, mais tous ces outils de partage que l'on trouve sur Internet, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Et donc, ça vaut déjà le coup de découvrir ces outils et de les utiliser pendant la formation. Mais également, la formation va nous présenter les avantages en fait de la coopération, l'écosystème qu'il en est, etc. Et bien moi, j'en ai gardé un très bon souvenir avec des personnes qui étaient très sympathiques, d'ailleurs, ce qui ne gâche rien, et des bons moments de convivialité partagée où on prenait le repas ensemble et c'était souvent même des repas auberge espagnole, c'était très sympathique. Et on apprenait donc beaucoup de choses. On apprenait surtout, on était surtout sensibilisés à la chose. Donc moi, j'invite tous ceux qui le peuvent à faire cette formation et Michel pourra confirmer, souvent, cette formation peut être payée par
Par une commune ou non, ou une ville, enfin, comment ça fonctionnait sur Brest? Les fonds gestifs par des associations de financement de la formation, oui. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, ça aide à trouver un métier si vous n'en avez pas, parce que je pense que dans les prochaines skills, les soft skills, le partage fera partie des prochaines skills. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas, mais ça va arriver. Ça va arriver. Les compétences, les soft compétences, soft skills. On va rajouter bientôt partage, vous allez voir. Ah, je vois des questions, là, ça bouge pas mal dans le. J'étais en train de chercher l'article, donc je vais pas. Tu peux répondre à la question, me la relire si c'est pour moi. Bah, je crois que c'est toujours Pat. Y a-t-il un accompagnement dans la conception des projets? Et ça, me semble-t-il, on l'a déjà. Sur Brest, l'accompagnement qu'on faisait, c'est par des ateliers sur les outils, donc il y en a à peu près un par semaine, gratuit, ouvert à tout le monde. Et l'outil principal, en fait, ça a été ces formations à la coopération. On a dû former à peu près 200 à 250 personnes depuis 7 ans sur Brest, avec 15 à 30 personnes formées par année. Et donc, c'est cet outillage méthodologique qui est vraiment l'élément essentiel un peu de structuration du réseau coopératif. Je vois pas d'autres questions. Ah, Fabrice Michel, je suis animacopien aussi. Donc, il sait très bien de quoi on parle. Bon, voilà, donc on s'approche doucement de 13 h là. Je pense que. Il va falloir clôturer cette séance. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer, si on est coupé brutalement ou si les organisateurs viennent dernier moment. Non, je crois pas. Je pense qu'on va vous dire au Ou c'est revoir. ouvert Et plutôt. puis, la personne qui m'a demandé le lien, je ne l'ai pas trouvé immédiatement. Et donc, du coup, ce que je ferai, c'est que je l'enverrai. Ah, ça y est, je viens de le trouver à l'instant. Oh, sauvé par le gong. Donc, je le mets dans le chat. Tu avais encore 3 minutes, Michel. Encore 13 h. Voilà. Voilà. Voilà, donc Ah, une autre question a été posée. Est-ce que la formation à la coopération est ouverte à distance en contexte Covid? Ah. là, oui, je pense qu'il adapte, hein, mais c'est une formation hybride, hein, c'est-à-dire cette formation de 100 heures, elle se déroule sur 13 semaines avec trois regroupements physiques. Donc là, je pense que le regroupement physique qui était prévu en novembre va sauter. Mais la formation très généralement est hybride. Et aujourd'hui, donc cette formation, elle existe sur une dizaine de territoires en France. Elle a démarré sur Brest, Montpellier, et puis maintenant elle existe également sur Toulouse, Gap, Paris, Lyon, Nantes-Saint-Nazaire, et je crois aussi Tours. Donc ça commence à se développer sur le territoire. Et si ça vous intéresse, donc le premier webinaire de Riposte Créative à porter justement sur ce dispositif de formation. Alors pas Paris actuellement, oui, parce que Louise et puis Audrey ont quitté la capitale, donc c'est un peu plus compliqué. Effectivement, bah, ça dépend aussi des animateurs qui sont capables. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que n'importe qui peut, une fois qu'il a suivi la formation, à nouveau créer la formation sur son territoire. Donc si parmi certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez devenir suivre la formation et à votre tour devenir formateur de cette formation. Moi, je vais être obligé de vous quitter. Je vous remercie tous et puis en espérant que les éléments qu'on a pu décrire, Gilles et moi, vous ont apporté un peu quelques éclairages sur la coopération et innovation pédagogique. Et merci Michel. Oui, je vais vous quitter également à la suite de Michel, puisque c'est les 13 h. Donc, je pense que le webinaire doit se terminer maintenant. Les organisateurs ne nous ont pas rejoints, mais voilà.
Je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir participé à notre webinaire. Ça nous fait chaud au cœur et j'espère que vous en avez retiré beaucoup de connaissances, de plaisir également et plein d'idées. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit également. Au revoir.